Bonjour et bienvenue, nous allons parler des contrôles modernes de Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Je sais que c'est presque un sacrilège en fait d'en parler, mais ils sont peut-être potables. On peut peut-être en tirer quelque chose d'assez intéressant. Donc on va parler de ça, on va voir la différence en fait entre les anciens contrôles, donc les tank contrôles, et les contrôles modernes. Donc en gros, moi j'ai fait donc en stream Tomb Raider 1, tout avec les tank contrôles, hein, les anciens contrôles, pareil pour le DLC, et je voulais faire le 2 en fait, avec les contrôles modernes. Mais j'ai dû changer quelques touches pour rendre le truc potable. Là, ça va faire à peu près 30-40 minutes que je joue avec. Ça peut passer. Donc je vais vous montrer, et j'ai trouvé aussi des choses assez intéressantes que vous ne pouvez pas faire en fait avec les anciens contrôles, mais que vous pouvez faire avec les contrôles modernes. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on va déjà passer avec les anciens contrôles, et je vais vous montrer. Donc on repasse en contrôle du char. Yes. Et maintenant, pour ce qui est des touches, donc moi j'utilise une manette de Xbox One, donc on a sauté sur X, marcher c'est RB, action c'est A, arme c'est Y, regarder c'est LB, roulade c'est B, donc voilà, donc très très basique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez même des raccourcis en fait avec ces contrôles là, donc par exemple si vous pressez, si vous maintenez select pressé, que vous faites A, vous allez avoir les pistolets, si vous pressez B à la place, vous allez sortir le fusil à pompe, et si vous faites par exemple la touche select plus regarder, elle va cette fois, bien sûr c'est pour le 2 et le 3 hein, bien sûr, parce que dans le 1 il n'y a pas de fusée, et elle va avoir une fusée éclairante, voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça marche, et vous pouvez bien sûr bouger un peu la caméra autour de Lara grâce au joystick. Avant on pouvait pas le faire, maintenant on peut le faire avec même avec les tank control, donc c'est voilà. Mais en gros c'est comme ça que ça fonctionne, donc on a des raccourcis, et après bien sûr marcher, tourner, c'est comme ça, enfin voilà, elle tourne un peu plus rapidement si elle a l'arme dégainée évidemment. Mais voilà. Et vous voyez que le fait de dégainer les armes à une certaine vitesse. Et vous allez voir qu'en fait, avec les contrôles modernes, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on va mettre contrôle. On va faire par défaut. Je vais vous montrer. Alors déjà, je vais vous montrer le dégainement. Parce que comme ça, on va directement le voir avant que j'oublie. Donc voilà. Vous voyez que déjà, on a un petit avantage du fait qu'elle dégaine beaucoup plus vite. Par contre, la différence, c'est que vous devez rester en fait appuyé sur le trigger gauche de la manette pour qu'elle reste dégainée. Alors que dans les temps de contrôle, elle va laisser en fait ses armes dégainer. Et après, il faut réappuyer pour les rengainer. Donc voilà, c'est ça un peu la différence. Mais du coup, vous pouvez faire ça. Voilà, c'est... Ça peut être assez intéressant en combat, en fait. Ça peut être assez intéressant. Maintenant, je vais vous montrer, en fait, les touches que j'ai changées. Donc, modifier les touches. Et je pense que c'est là le gros problème, en fait. Parce que les touches sont un peu étranges. Je pense que les devs, ils ont essayé de faire quelque chose de potable. Mais honnêtement, c'est super bizarre. Surtout pour les gens, en fait, comme moi, qui ont déjà eu de l'expérience avec les anciens Tomb Raider. Parce que, par exemple, marcher devient X, alors que c'était RB à la base. Sauter, c'est A, alors que c'était X pour moi. L'action, c'était A pour moi. Maintenant, c'est Y. Et après, les armes, comme j'ai dit, c'est les deux triggers. Donc, vous avez le trigger de gauche pour sortir les armes. Et après, tirer, c'est le trigger de droite. Ça dit secondaire. Et je vais vous un peu vous montrer en fait aussi pourquoi ça dit secondaire et les choses qu'on peut faire avec. Donc moi, personnellement, je change quelques touches. Donc marcher, je le remets sur RB. Le fait de sauter, on va le remettre sur X, comme ça on n'est pas dépaysé. L'action, on va le remettre sur A. Donc l'action, c'est tout ce qui est levier, mécanisme, utiliser une clé sur une serrure, des choses comme ça. Et après, la roulade n'a pas changé et tout ça. Donc on va déjà changer ça. Et on va voir un truc plus ou moins potable. On va avoir un truc plus ou moins potable. Le seul gros problème, je le dis maintenant parce que je sais que même en montant tout ça, là, ce que vous voyez là, je vais avoir des problèmes de caméra. La caméra a des très très gros problèmes, a des énormes problèmes par rapport à ça. Et vous allez passer votre temps en fait à rediriger la caméra par rapport à votre direction. Et même avec ça, des fois avec les angles qui sont super exigus, les endroits qui sont super exigus, ça va être une catastrophe. Donc vous allez avoir des problèmes avec ça, ça c'est sûr et certain. Mais vous allez peut-être pouvoir jouer. Et je vais vous montrer en fait des choses que vous pouvez faire qui n'existent pas en fait avec les tank control. Donc là par exemple, on a directement tourné tout simplement en faisant le saut. Donc on a fait quasiment un angle droit. Donc ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas faire aussi facilement en fait avec tank control. Là, on va essayer d'avancer sans que la caméra devienne folle. Ok, on est bon. Donc vous voyez que maintenant... On est en l'air. Alors, on est sur une plateforme, c'est ça que je veux dire, quand on est en l'air. Donc la caméra, déjà, elle me rend fou, c'est pas grave. Donc, pour éviter de tomber d'une plateforme, en fait, vous devez marcher.
Et encore une fois, c'est pour ça en fait que vous ne pouvez pas marcher avec le joystick. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique en fait à la marche. La marche sert à ne pas tomber des plateformes. C'est comme ça que vous placez bien Lara en fait pour faire des sauts et tout ça, et que ça vous empêche tout simplement de tomber. Par contre, il y a un truc assez intéressant avec les contrôles modernes, c'est que si vous faites le trigger, la gâchette de droite, donc en théorie c'est la gâchette avec laquelle vous tirez, si vous la maintenez et que vous tombez de la plateforme, il y a ça. Elle va s'accrocher automatiquement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est top. C'est top. Et ça n'existe pas dans les temps de contrôle. Je suis pas fou quand même, hein. Je pense pas que ça n'existe. Mais ça existe. Voilà, ça existe avec les contrôles modernes. Donc c'est vachement, vachement intéressant en fait d'avoir un système comme ça. Donc du coup, techniquement, vous pouvez plus ou moins courir n'importe où tout en gardant en fait le trigger appuyé. Et vous allez pouvoir vous agripper automatiquement. Donc ça va vous permettre d'éviter tout problème de caméra, par exemple, ou alors des problèmes comme genre vous avez trop avancé, vous voyez par exemple comme ça là, j'ai essayé de faire genre j'ai trop avancé et hop je suis tombé. Et directement elle s'accroche. Et en fait cette touche permet de faire donc ça, de s'accrocher, elle permet de s'élancer, de s'accrocher à des plateformes qui sont au loin. Je vais essayer d'avancer sans tomber, ça serait bien. Ça permet aussi de faire ça, donc ça c'est l'action en fait de sauter automatiquement et de s'accrocher directement à la plateforme. Alors par exemple là je vais vous montrer comme je disais donc le saut pour s'agripper en fait au rebord. Hop. Donc voyez, voilà, ce trigger en fait sert à ça. Donc ce trigger sert à s'accrocher, à éviter de tomber comme je vous ai montré, à faire toutes les actions en fait qui sont liées on va dire au saut ou sur le fait de tomber bien sûr. Donc on va continuer à avancer. Vous pouvez faire aussi ça, les petites actions en fait d'enjamber les endroits. Hop. Voilà. Et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va dire que ça se joue comme ça. Je vais redescendre et je vais vous montrer le combat avec le lion. Par contre, un truc assez intéressant, c'est que quand vous vous agrippez en fait. Et là, en fait, j'ai lâché le trigger. Je l'ai appuyé, en fait, j'ai appuyé une seule fois pour qu'elle saute et elle va s'agripper en fait automatiquement. Et après, je fais O pour monter ou alors il faut que je fasse B pour descendre. Donc voilà, ça aussi, c'est un peu la différence. Alors que dans les versions tank, elle va tout simplement lâcher en fait si vous lâchez le bouton. Donc ça aussi, c'est une des différences. Voilà, donc on peut faire ça. Voilà, je vais vous montrer juste le combat avec les mouvements en fait que vous pouvez avoir. Donc on va dégainer. Donc on va cibler le machin. On va essayer de ne pas le tuer. Voilà. Donc vous voyez que techniquement, vous pouvez un peu mieux gérer, on va dire, Lara en mouvement. On peut un peu mieux la gérer pendant les combats. Là, j'ai fait un peu exprès de pas trop le tuer trop vite. Mais techniquement, vous pouvez peut-être esquiver un peu plus de coups. Même si, encore une fois, ça reste pas énorme, hein, énormissime, hein, le fait de la bouger comme ça. Mais ça peut être un petit avantage, on va dire. Mais par contre, la différence, encore une fois, c'est qu'il faut maintenir donc les deux gâchettes, en gros, pour pouvoir dégainer et tirer en même temps. Donc ça, c'est un peu la différence. Après, une chose aussi assez sympa, c'est que du coup, vu que vous utilisez les gâchettes, vous êtes un peu plus libre en fait pour faire les sauts, parce que vous n'êtes pas en train de genre de toucher, d'appuyer sur X, A, B en même temps, par exemple. Donc c'est un peu plus simple en fait de faire des sauts retournés et des sauts au-dessus des ennemis comme ça. Donc ça, c'est un peu l'avantage en fait d'avoir le dégainement et le tir en fait sur les gâchettes, tout simplement. Alors après, à noter que bien sûr, vous pouvez le faire tout simplement aussi en temps de contrôle. Vous pouvez changer les touches en fait. Donc ça marche. Donc ça marche dans les deux sens. Mais voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Par contre, la seule chose en fait qui manque, ça serait les raccourcis en fait pour changer les armes que vous utilisez. À ma connaissance, ça n'existe pas. Petite rectification pour ce qui est des raccourcis, en fait, tout simplement. Donc, apparemment, j'avais tort. C'est juste qu'elle fait un peu un truc bizarre. Donc, je vais vous montrer. Donc, nous sommes dans Tomb Raider 1, par contre, parce que là, j'ai une sauvegarde avancée alors que je ne l'ai pas dans le 2 ou dans le 3. Donc, nous avons les 4 armes. Et quand vous faites Select, en fait, elle va rien faire. Voilà, elle va faire des choses comme ça. Mais si je fais B, par exemple, elle va rien faire. Si je fais Y, elle va rien faire. Si je fais X, elle va rien faire du tout. Mais en fait, elle a changé d'arme. Donc, vous voyez que là, maintenant, j'ai les Magnum. Si je fais Select Y, maintenant, j'ai les Uzi. Select B, maintenant, j'ai le fusil à pompe. Select A, maintenant, j'ai les pistolets. Par contre, si je refais Select A, en fait, elle va faire cette animation-là.
Et c'est pour ça que moi je pensais que c'était du coup glitché ou un truc comme ça. C'est un peu étrange en fait. Mais il y a du coup les raccourcis pour les armes. Voilà, il y a quatre armes en raccourci, donc ça marche. Après par contre pour marcher, elle va sortir un flare, mais par contre je crois qu'elle va pas le jeter. Ah si, elle le jette aussi. Donc les flares ça marche, les fusées éclairantes ça marche. Donc ouais, ce sont les contrôles modernes de Tomb Raider. Je pense que ça peut être potable pour ceux qui vraiment détestent en fait les contrôles de type tank. Je pense que ça peut être potable. Il faut un peu s'habituer. Le seul ennemi, vraiment, ça va être la caméra. Donc si jamais vous avez des problèmes avec des sauts qui doivent être extrêmement précis, parce que oui, Tomb Raider a des sauts qui doivent être tout le temps extrêmement précis, vous allez devoir peut-être repasser en temps contrôle pendant 5 minutes, ou alors essayer de bien vous caler et prendre un peu le temps en fait de bien vous caler. Hop, vous voyez que je me suis accroché directement sans problème. Pour nager aussi, hein, alors je pense que nager reste peut-être le meilleur avantage dans Tomb Raider en général, parce que les temps de contrôle, on sait très bien qu'il faut à chaque fois faire tourner Lara sur elle-même et tout ça, et ça prend du temps, et vous perdez énormément de temps par rapport à votre oxygène. Donc là, c'est beaucoup plus facile, en fait, c'est beaucoup plus facile. Par contre, le fait d'aller en haut et en bas, c'est géré par votre caméra. Donc c'est un peu étrange. Mais on s'habitue, vous voyez que, mais on fait des grands mouvements de caméra en fait, pour monter et pour descendre, donc c'est un peu la différence, voilà, donc c'est à voir si ça vous dépayse pas trop par rapport à la caméra, mais ouais, c'est comme ça, ah, on est bon, vous voyez que ça passe, honnêtement ça passe, voilà, très bien, vous voyez que, ok, la caméra elle a dit j'arrête de travailler moi, c'est bon. Mais on y arrive. Bon, après, ça, c'est parce que je connais un peu le jeu aussi. Mais ouais, la caméra va être le plus gros problème, en fait, du jeu. Mais ouais, ça peut être potable. Ça peut être potable. Voyez qu'il y a un truc assez sympa, c'est le mouvement de Lara. Où elle va tirer avec une seule arme et après elle va tirer avec deux armes. Je pense que avec les contrôles modernes, vous pouvez faire ça plus facilement en fait. Hop, vous pouvez directement changer en fait. Vous voyez, vous pouvez directement changer la trajectoire. Donc je pense que niveau combat, ça va être plus simple. Mais voilà, ce sont les contrôles modernes. J'espère que ces petits en fait, changements, ces petits rajouts que j'ai montrés peuvent peut-être vous aider déjà si vous n'aimez pas les temps de contrôle et peut-être vous donner un peu l'envie de tester les contrôles modernes pour ce jeu-là. Parce que ça peut être une nouvelle expérience, honnêtement, de découvrir le jeu comme ça. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. En tout cas, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des contrôles modernes. Si vous avez réussi à finir un jeu avec les contrôles modernes, si vous avez changé des trucs ou alors découvert d'autres choses avec des combinaisons de touches par exemple. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo, à la partager, ça aide énormément pour ma chaîne. Vous pouvez même vous abonner, même devenir membre ou faire un don si ça vous botte. Et j'essaierai toujours de vous donner des vidéos de qualité. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Ciao, ciao.